Salut, bienvenue sur la Terre de 2050. Tu vis dans le monde qui a suivi le grand changement de température de 2020. Les jours sont aussi chauds que possible et les nuits extrêmement froides. Les humains ont toujours été dépendants de l'environnement, mais maintenant, ils sont plus vulnérables que jamais. Le carburant, l'argent, les métaux précieux, tous ont perdu leur valeur dans un monde où, pendant la journée, la glace coûte plus cher que l'or, et la nuit, tu peux facilement échanger une montre design toute neuve contre une couverture chauffante. Tu ne te souviens pas du monde d'avant parce que tu es né dans la nouvelle ère climatique. Tu as eu la chance de trouver un bon emploi juste après tes études. L'entreprise pour laquelle tu travailles vend de l'eau en bouteille. Quand il fait plus de 40 degrés Celsius dehors, pendant la journée, l'eau en bouteille est le produit le plus vendu au monde. Le commerce des antitranspirants est également en plein essor. Les gens peuvent facilement consommer 2 sticks par semaine. Tu te réveilles à 6h30 et il fait encore froid. Le soleil se lèvera dans une demi-heure et l'inversion suivra peu après. Il y a une fenêtre de 30 minutes entre 7h et 7h30 pendant laquelle les températures sont assez douces, comme au printemps autrefois. La plus grande partie de la journée, de 7h30 à 19h30, c'est comme vivre dans un four. De 19h30 à 20h, c'est un peu comme ce qu'on appelait jadis l'automne. Et après ça, il fait moins 40 degrés Celsius. Aujourd'hui est un grand jour, celui peut-être de ta première promotion. Tu inspires à fond, glisses tes pieds dans tes pantoufles et te diriges vers la salle de bain. Ta routine est machinale à 7h de la journée. Tu commences par fermer complètement le robinet de ton lavabo. C'est une vieille habitude que tes parents t'ont inculquée pour éviter que les tuyaux ne gèlent. Même si chez toi, ils sont tous conformes aux normes, enveloppés dans un ruban chauffant et isolant, tu préfères ne pas prendre de risques. Tu t'habilles, shorts, sandales et débardeurs. Il existe des vêtements thermiques de haute technologie qui s'adaptent aux températures du jour et de la nuit. Mais tu n'as pas assez d'argent pour t'en payer. Peut-être que si tu obtiens cette promotion, tu pourras investir dans une garde-robe de meilleure qualité. Une chose amusante, c'est qu'il est toujours possible de connaître le statut d'une personne en l'examinant. Certaines choses ne changent jamais. Les thermos marchent avec aisance dans leurs vêtements high-tech élégants. Comme tous les autres baluchonneurs, tu emportes des vêtements supplémentaires pour le travail et les soirées froides. Tu as ton ombrelle. Elle n'aide pas beaucoup contre la chaleur, mais te protège au moins un peu des rayons du soleil. Lunettes de soleil, déodorant, crème solaire, tu as tout ce qu'il te faut pour la journée. Maintenant, pour le soir, gants, oui, manteau, ding, tu reçois un SMS, c'est ta patronne. Vous arrivez un peu plus tôt ce matin pour préparer la présentation, n'est-ce pas? Tu lui réponds et tu vas à la cuisine pour ton petit déjeuner. Le café est un luxe, pareil pour les fruits et les légumes. Sauf si tu les fais pousser chez toi, mais ta serre personnelle est assez modeste. Des tomates, du maïs, quelques melons et de la laitue. Ta serre est aussi résistante au froid et à la chaleur que le modèle standard, mais il faudrait vraiment que tu passes à une taille supérieure. Pas le temps, trop de travail. Tu prends une pomme, une bouteille d'eau, ton sac et tu sors rapidement. Tu pars généralement à 7h15. Tu as 15 minutes de marche jusqu'au bureau et tu parviens à éviter la chaleur. Mais tu es dehors un peu après le lever du soleil aujourd'hui. Il y a des milliers de personnes dans la rue. Tout le monde essaie de rester à l'intérieur, sauf pendant ces 30 minutes de température clémente. Malgré la foule, tu arrives au bureau juste à temps pour préparer ta grande présentation. Tu as un diplôme en conditionnement et distribution de l'eau. Quand tu as parlé à ta patronne de ton idée, elle a immédiatement invité ses supérieurs pour qu'elle t'écoute. Grâce à elle, le prix de l'eau en bouteille pourrait être réduit de moitié et l'entreprise entrerait dans les livres d'histoire. Tu files au vestiaire pour enfiler ton costume. La présentation se passe bien, malgré ta nervosité. Ta patronne te dit que vous êtes sur le point de faire de grandes choses et elle t'invite à prendre des vacances car tu dois faire le plein d'énergie avant de commencer à travailler à la réalisation de ton idée. Tu regardes quelles sont tes options sur Internet. Les gens ne partent plus à la plage, le climat étant à peu près le même partout. Et puis tu ne peux pas prendre l'avion. Les voyages aériens sont une chose du passé car les avions ne peuvent pas décoller quand les températures sont trop élevées. Avec la chaleur, l'air se raréfie et les ailes n'ont pas de portance. Du moins, c'est ce que ton grand-père t'a dit. Il était pilote avant le grand changement. Le ski, le patin à glace et le snowboard ne se pratiquent plus que dans les stations d'hiver artificielles. Plutôt rafraîchissant. Tu finis ta journée de travail à 16h. Tu rentres généralement directement chez toi. Mais tu es de si bonne humeur aujourd'hui que tu décides d'aller te promener dans le parc. Tu dois d'abord remettre ton short et ton débardeur. Tu te promènes dans les rues vides. Presque personne ne se balade par cette chaleur.
Ouf, tu comprends tout de suite pourquoi. Tu regardes la ville. De trapus gratte-sol bordent les rues. Les gratte-ciels n'existent plus. L'énorme fluctuation de température entre le jour et la nuit les a rendus instables et les a usés. De plus, les gratte-ciels retiennent la chaleur et rendent les villes plus chaudes. Et personne n'a besoin de ça en cette nouvelle ère. Tu regardes les toits couverts de panneaux solaires. Tout fonctionne à l'énergie solaire. Les voitures, les transports publics, le chauffage central et la climatisation. Le soleil est peut-être ton pire ennemi pendant la journée, mais au moins, il t'aide à rester au chaud la nuit. De loin, le parc a l'air agréable. Des arbres, des buissons, de l'herbe verte et des fleurs. Mais tout le monde sait que tout ça n'est pas réel. À moins que les plantes ne soient dans une serre, elles sont artificielles. La chaleur du jour les brûlerait et les dessécherait. Le froid glacial les ferait geler pendant la nuit. Tu t'assieds sur un banc et tu entends deux vieillards parler des différences avec le monde de jadis. Le paysage a tellement changé. Les étangs et les lacs se sont entièrement évaporés en l'espace de quelques mois. Ils se souviennent de leur partie de pêche, des fermes et des champs. Oui, seuls les animaux du désert ont survécu aux grands changements. Tu peux voir des coyotes, des géocoucous, des lézards et des scorpions quand tu sors de la ville. Les chameaux ont remplacé les vaches et les chevaux sur tous les continents. 30 ans sous cette nouvelle ère climatique ne suffisent pas encore pour que l'évolution opère de profonds changements. Mais les gens ont déjà commencé à se métamorphoser eux aussi. Votre peau devient peu à peu plus épaisse et plus dure pour faire face aux variations de température. Vos sourcils sont plus touffus pour empêcher la sueur de couler dans vos yeux. Un des vieillards regarde sa montre. Il est 19h30, c'est l'heure de filer, Maurice. Déjà 19h30, tu t'es bien éloigné de chez toi. Tu ouvres ton sac et tu cherches ton pantalon, tes gants, tes bottes et... Où est passé ton manteau ? Tu continues à fouiller, tu sens la panique monter en toi. Tu te mets à vider ton sac par terre dans l'espoir que ton manteau se trouve tout au fond. Pas de chance, un frisson te parcourt l'échine. La peur ? Oui, mais aussi parce que la température baisse déjà. Tu remets toutes tes affaires dans ton sac et tu te mets à courir dans la rue. 19h40, tu n'y arriveras pas, mais au moins, courir te réchauffe. 19h50, il n'y a pas de bus, pas de voiture, rien, tout le monde est déjà à l'intérieur. 19h55, tu sais ce qui t'attend si tu ne rentres pas avant 20h. Quand il fait moins 40 degrés et que tu es dans tes vêtements de jour, il ne faut que 5 minutes avant que l'hypothermie ne s'installe. Tu as entendu d'affreuses histoires. Des gens qui s'étaient aventurés dans le froid sans le bon équipement. Tout d'abord des battements de cœur grelottants et rapides, le corps qui se bat pour conserver sa chaleur. Puis les frissons s'arrêtent, le rythme cardiaque ralentit et on commence à se sentir étourdi. Le corps jette l'éponge, c'est l'évanouissement, tout est fini. 19h58, tu vois ta rue devant toi. Allez les jambes, plus vite! 20h, le froid te coupe le souffle. Tu es à une minute de chez toi. Continue à avancer. L'air te pique les poumons, tes cils se couvrent de glace, ton nez est rouge vif. Est-ce que ça y est, c'est comme ça que tu vas finir ? 8h01, tu entres en trombe dans ton appartement et tu tombes par terre. Tu as réussi. Tu ouvres les yeux et la première chose que tu vois est ton manteau accroché au dossier de ta chaise de bureau. Cette négligence te fait éclater de rire, c'est plus fort que toi. Cette journée avait si bien commencé, mais les choses ont vite pris une tournure dangereuse. Le jour et la nuit, véritablement. Ah, j'ai vraiment besoin de ces vacances. Il fait de plus en plus froid. La température descend très vite en dessous du zéro. Et bien qu'il n'y ait pas de neige, le froid devient insupportable. Du givre apparaît sur le sol, l'herbe et les arbres, et de la glace se forme sur les étendues d'eau à une vitesse incroyable. Grelottant, les gens du monde entier lèvent les yeux vers le ciel. Et leurs mâchoires tombent d'incrédulité. Le soleil est devenu deux fois plus petit qu'avant. Il ressemble maintenant à une tache lointaine, et il ne sera bientôt plus capable de réchauffer la Terre. Mais le pire, c'est qu'un énorme rocher flamboyant se dirige droit vers les spectateurs horrifiés, et l'impact avec notre planète fera sans aucun doute beaucoup de dégâts. Bon, revenons à notre réalité. La Terre se trouve exactement au bon endroit dans notre système solaire. Elle n'est ni trop près ni trop loin du Soleil. Ce qui rend la température sur notre planète non seulement tolérable, mais plutôt agréable.
Les scientifiques qualifient souvent Vénus, la deuxième planète en partant du Soleil, de jumelle maléfique de notre Terre. Car elle est si chaude et inhospitalière qu'aucune vie n'y est possible. Bien sûr, il y a aussi dans son atmosphère d'épais nuages qui font pleuvoir de l'acide, tandis que les gaz à effet de serre font monter la température de surface à des valeurs insupportables. Mais même si Vénus n'avait pas tout ça, rien ne pourrait y vivre à cause de sa proximité avec le Soleil. S'il y avait de l'eau liquide, elle s'évaporerait trop rapidement, ne laissant aucune chance à la vie de se développer. D'un autre côté, Mars, qui vient après la Terre, est un peu trop éloigné du Soleil, ce qui la rend froide et solitaire. Sa température de surface est en dessous de zéro. Elle ne se réchauffe jamais assez pour que l'eau reste liquide longtemps. Sans parler de l'absence d'atmosphère sur la planète rouge, l'élément qui fournit à la Terre de l'air respirable. Donc, si notre planète se rapprochait ou s'éloignait du Soleil, sa température augmenterait ou diminuerait respectivement. Quelques centaines de kilomètres ne feraient pas une grande différence. L'orbite de la Terre autour du Soleil est de toute façon irrégulière. Et nous nous rapprochons ou nous éloignons toujours un peu de notre étoile. Une distance qui ferait la différence se mesurerait en millions de kilomètres. Et comme on l'a vu au début de cette vidéo, nous verrions le Soleil beaucoup plus petit que maintenant si nous nous éloignions autant. Les températures pourraient ne pas chuter au moment exact du changement, car il nous resterait encore un peu d'inertie thermique. Mais l'hiver suivant, notre planète deviendrait probablement froide pour toujours. Les océans seraient recouverts de glace et le niveau général de la mer baisserait. Et finalement, la glace réfléchirait davantage la chaleur du Soleil dans l'atmosphère et dans l'espace, ne permettant plus à la surface de notre planète de recevoir la chaleur nécessaire. De plus, davantage de glace signifie aussi moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Or, la vapeur d'eau capte aussi la chaleur, créant des nuages. Donc, plus il fait froid, moins il pleut. Le froid et le manque de pluie ne permettraient pas aux plantes de survivre longtemps. Si bien que des zones glacées et stériles se développeraient rapidement, ne laissant intactes que les zones situées le long de la berge des fleuves, en tout cas pour un temps. Au bout d'un certain temps, les cours d'eau cesseraient aussi de couler, étant soit gelés, soit asséchés en raison de la perte de leur source, à savoir les lacs et les mers qui, bien sûr, gèleraient aussi. Toute vie disparaîtrait aussi autour d'eux. Les plantes d'abord, et avec elles, tout le reste, puisque les plantes produisent à la fois de la nourriture et de l'air respirable. Et à la fin, la Terre deviendrait un immense no man's land gelé. Quant au rocher géant flamboyant dont nous avons parlé, il s'agit d'un astéroïde venu de l'espace à cause du déplacement de l'orbite de notre planète. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, agit comme un bouclier naturel pour nous contre les roches spatiales. Elle a une masse colossale et la plupart des astéroïdes lancés depuis l'espace sont piégés par sa gravité et tombent à sa surface. Il n'y a pas de vie possible sur Jupiter et sa surface est gazeuse, donc les astéroïdes ont tendance à y disparaître sans laisser de traces. Malgré tout, certains parviennent à dépasser Jupiter et c'est alors que Mars entre en jeu. Elle contribue aussi à notre défense en maintenant en place la ceinture d'astéroïdes entre elle et Jupiter. La masse combinée des deux planètes crée un champ gravitationnel qui ne permet pas aux astéroïdes de la ceinture de voler dans des directions aléatoires, frappant tout sur leur passage. S'il n'y avait pas Mars entre nous et la ceinture, nous serions presque davantage habitués aux pluies de météores qu'à la pluie que nous connaissons. Mettons que la Terre ait remplacé Mars sur son orbite et que nous soyons maintenant quelques centaines de millions de kilomètres plus loin du Soleil. La masse de la Terre est plus ou moins similaire à celle de Mars. Donc, la ceinture d'astéroïdes est toujours à sa place. Mais les températures vont quand même baisser et la vie va bientôt s'éteindre. Mais si Mars restait là où elle est, et que la Terre se déplaçait simplement, ce serait un désastre. Il n'y a aucune chance pour que les planètes tournent autour du Soleil à la même vitesse, car leur masse n'est pas égale. À un moment donné, elles entreraient en collision les unes avec les autres. En tenant compte de leur vitesse, elles se fissureraient et se briseraient toutes les deux, créant peut-être une autre ceinture d'astéroïdes dans notre système solaire. Nous n'aurions pas plus d'espoir si la Terre se rapprochait du Soleil.
Outre le fait que l'étoile ressemblerait davantage à une boule de feu géante et impitoyable dans le ciel, sa chaleur ferait fondre les glaciers de notre planète, faisant monter brusquement le niveau des mers. L'eau inonderait de grandes parties des continents et une surface croissante de la planète serait recouverte d'eau, ce qui signifie une plus grande absorption de chaleur. Cela entraînerait une nouvelle hausse de la température. De plus, ces grandes masses d'eau s'évaporeraient rapidement, libérant des tonnes de vapeurs d'eau et de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre qui absorbe la chaleur, tout comme la vapeur d'eau. Ensemble, ils retiendraient de plus en plus la chaleur du soleil, créant des nuages épais et tourbillonnants dans le ciel, presque comme sur Vénus, mais sans l'acide. Et cette épaisse couche de nuages contribuerait aussi à chauffer la surface de notre planète. Au final, la Terre entière se réchaufferait tellement que la vie à sa surface deviendrait globalement insupportable. Seules les créatures les plus résistantes seraient capables de survivre à des températures aussi élevées. Celles qui vivent dans les déserts, par exemple. Malgré la présence de précipitations, qui ne cesseraient pas comme dans le scénario froid, les plantes auraient du mal à s'adapter à ces nouveaux environnements torrides. Celles des régions plus fraîches de la planète seraient les premières à se faner et à disparaître. Mais ensuite, les plantes des climats tempérés et enfin tropicaux disparaîtraient aussi. Et une fois de plus, la Terre se transformerait en une boule de roche stérile, mais cette fois-ci surchauffée plutôt que gelée. La distance de notre planète par rapport au Soleil, son inclinaison, sa vitesse de rotation autour de son axe, son orbite autour du Soleil, et même la présence de la Lune dans le ciel, tout cela est crucial pour que la vie sur Terre perdure. Par exemple, si la planète n'était pas inclinée par rapport au Soleil, il ferait une chaleur insupportable à l'équateur et un froid impossible au pôle. Les saisons cesseraient également de se succéder, divisant la Terre en bandes d'été et d'hiver sans fin. Avec l'inclinaison et la rotation actuelle, notre planète est chauffée uniformément de tous les côtés, comme un four à chaleur tournante. Elle se dirige vers le Soleil d'un côté pour se réchauffer, tandis que l'autre se refroidit pendant la nuit. S'il n'y avait pas d'alternance de jour et de nuit, nous ne vivrions probablement que dans certaines régions de notre planète où il y régnerait un crépuscule sans fin. Imagine notre vie sans ces magnifiques levers et couchers de soleil. Donc finalement, on va peut-être laisser les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Tu es en train de rouler vers la maison de ta sœur quand, tout à coup, le ciel change d'aspect. L'air automnal, jusqu'alors frais, devient brûlant en l'espace de quelques instants. Les gens qui faisaient des promenades ont maintenant enlevé leur veste et transpirent. Les gens qui prévoyaient de partir en week-end au ski ont annulé leur plan à la dernière minute pour se rendre à la plage. C'était le coucher du soleil, mais le ciel est devenu aussi clair que le jour. Tu attrapes tes lunettes de soleil et continues à conduire. Rien ne semble normal, mais les gens ne paraissent pas s'en soucier. Tu allumes la radio et tu entends tout le monde paniquer à propos du soleil, rien n'est cohérent. Ils mélangent leurs mots et disent des dizaines de choses différentes en même temps. Tu sors ton téléphone et il se passe la même chose sur les réseaux sociaux. Rien n'est compréhensible. Il y a juste des gens qui parlent de la façon dont le soleil se rapproche de la Terre. Des pas claquent le long d'un couloir tranquille. Un homme vêtu d'un costume cintré se rend à l'une des réunions les plus importantes de sa vie. Adam traverse la salle de réunion alors que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. En tant qu'astrophysicien en chef, il incombe à Adam de comprendre ce qui se passe et de ne pas le faire savoir au public. Sinon, le monde entier succombera à la panique et à l'hystérie collective, ce qu'il faut à tout prix éviter. Il prend place en bout de table, tandis que tout le monde attend d'entendre ce qu'il a à dire. L'atmosphère est tendue et personne ne dit un mot. Il enlève ses lunettes et les pose sur la table. Tout le monde observe le moindre de ses gestes. Il sort quelques feuilles d'un dossier et commence à lire. Sa voix brise le silence de la pièce. Chers collègues, j'ai bien peur que le pire ne nous attende. Après d'innombrables heures d'observation et d'analyse, nous avons découvert qu'un morceau du Soleil a abandonné son orbite et se dirige vers nous. Nous ne savons pas encore de quelle partie du Soleil il s'agit, mais nous savons qu'une fois qu'il nous aura frappés, nous n'aurons peut-être plus de planète Terre. La tension dans la pièce est palpable. Tout le monde se regarde confusément. Adam répond à autant de questions qu'il peut, mais lui-même n'a pas toutes les réponses.
En quelques minutes, la presse divulgue un enregistrement vocal du discours d'Adam et le monde devient fou. Tu viens d'entendre un extrait du discours d'Adam et tu n'es pas trop convaincu de sa validité. Même si le ciel s'éclaircit de seconde en seconde, il n'y a encore aucune raison de paniquer. Tu continues à conduire et soudain, tu ressens une vibration intense. Ta voiture se soulève du sol et les vitres se brisent. Tu t'éloignes et tu te mets à l'abri. Tu as vu un objet ressemblant à une comète s'écraser au milieu de nulle part, à des kilomètres de là. D'autres de ces objets semblent se diriger vers le sol. Tu démarres ta voiture et tu repars en essayant de trouver un endroit où te cacher. Les cendres commencent à couvrir le ciel, ce qui le rend encore plus chaud qu'il ne l'est déjà. La terre est brûlante, tandis que le trafic s'accumule à cause des gens qui veulent s'échapper, mais qui n'ont pas de véritable endroit où se réfugier. Tu finis par abandonner ta voiture et partir à pied, en essayant de trouver un endroit pour te rafraîchir et t'éloigner des rayons du soleil. Même si les cendres obscurcissent le ciel, le soleil continue de les traverser. Tu te diriges vers les bois et trouves une grotte pour te rafraîchir. Il fait encore chaud, mais au moins tu peux te calmer et réfléchir à la suite. Tu sors ton téléphone et essaies de voir s'il y a des nouvelles de ce qui se passe. Mais rien ne semble être mis à jour. Tu continues à actualiser, mais rien ne fonctionne. Soudain, tu entends des gens qui se rapprochent et qui t'ordonnent de sortir de la grotte. Adam est avec les meilleurs scientifiques du monde pour essayer de trouver une échappatoire. Tout le monde lui présente des solutions, mais au final, aucune d'entre elles n'est viable. Ils ont passé des heures dans le bureau, mais à chaque minute qui passe, le soleil devient plus fort et le ciel plus lumineux. On a l'impression que rien ne peut être fait, jusqu'à ce qu'Adam ait une idée. Il capte l'attention de tout le monde et demande aux personnes qui ne contribuent pas de quitter la pièce. Il explique qu'il faut lancer une fusée dans l'espace qui pourra détourner la grande masse qui se dirige vers la Terre avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère. Il ne reste que quelques heures avant que le ciel ne devienne dangereux et impraticable aux aéronefs. Pour l'instant, tous les vols du monde ont été annulés. Il n'y a qu'une petite fenêtre d'opportunité pour faire décoller cette fusée et sauver le monde. Adam convoque les meilleurs ingénieurs qu'il puisse trouver pour paramétrer la fusée et rassemble les astronautes volontaires pour la mission. Ils suivent une formation de base rapide et commencent à planifier les prochaines étapes. Après de nombreux briefings, ils sont prêts, mais ils n'ont qu'une seule chance de détourner l'objet massif. Les astronautes sont prêts et commencent à entrer dans la fusée. Soudain, tu surgis de nulle part, vêtu d'une combinaison spatiale. Tu es l'un des principaux astronautes du programme. Les personnes qui t'ont trouvé dans la grotte venaient de la NASA et essayaient de te recruter en vue de cette mission. Tu rencontres Adam et il te briefe rapidement sur ton rôle. Comme la mission se déroule à la toute dernière minute, Adam n'a même pas eu le temps de s'asseoir avec toi et de te donner la formation ou le briefing approprié. Tu rentres dans la fusée et prends place. Les ingénieurs et les scientifiques se rassemblent pour s'assurer que tout est en ordre avant le décollage. L'objet massif se rapproche et si la fusée est retardée, alors elle fondra lorsqu'elle atteindra la dernière étape de la mission. Tu es sanglé et la fusée commence à vrombir. Tous les systèmes sont en état. 3, 2, 1, décollage. La fusée s'élance dans le ciel. Il y a des couches supplémentaires de protection sur ta visière et heureusement, car tu as l'impression de te rapprocher du soleil. Après quelques minutes, la fusée quitte l'atmosphère terrestre et se trouve devant l'objet massif. La fusée se fige dans une position stratégique, attendant le bon moment pour éjecter l'objet de sa trajectoire en direction de la Terre. Pendant ce temps, tous les habitants de la planète se cachent dans des bunkers alors que des débris détachés de l'objet les bombardent. Une équipe de nettoyage sera prête à se débarrasser des roches spatiales brûlantes. Les bunkers sont équipés de nourriture, d'eau et d'électricité au cas où il faudrait rester sous terre pendant un certain temps. Il ne reste que quelques minutes avant le moment crucial. Tu appuies sur un bouton et tu te prépares à déployer une grande pointe aussi longue que la Statue de la Liberté. La pointe est maintenue par un support attaché à la fusée. Le support va tirer la pointe comme un arc avec une flèche et l'envoyer directement à travers l'objet massif, le brisant avant qu'il ne fonde. Moins d'une minute avant l'impact, la flèche est étirée et libérée. La pointe de celle-ci est dotée d'un foret en titane qui percera l'objet dès qu'il sera touché. La flèche est libérée et s'enfonce dans l'espace en brisant de petits fragments d'objets spatiaux sur son passage. En accélérant, elle atteint finalement l'objet massif et le transperce. Mais rien ne semble se passer.
le forêt arrive à peine à traverser le centre. Heureusement, Adam avait pensé à un plan B. La fusée, toujours immobile, tire un laser à l'endroit où se trouve le pic pour accélérer les choses. Le laser commence à liquéfier la matière pour atteindre le noyau. L'objet se rapproche et accélère. Il ne s'est toujours pas brisé en morceaux. Moins de 2 minutes avant l'impact et tout le monde est à court d'options. Adam a un dernier tour dans sa manche. Il ordonne à tout le monde d'évacuer la fusée et de se rendre dans les capsules de secours. Il veut mettre la fusée elle-même sur une trajectoire de collision directe avec l'objet. Il règne maintenant une grande confusion. Toi et tes coéquipiers, vous dirigez rapidement vers les nacelles et vous éjectez à une distance sûre. Ces nacelles ne flotteront pas aléatoirement dans l'espace car elles ont de l'air pressurisé qui leur permet de se déplacer dans la direction souhaitée par le pilote. Tout le monde sort de la fusée pendant qu'elle fonce à toute vitesse sur l'objet. Les deux se dirigent l'un vers l'autre à pleine vitesse. Il ne reste que quelques secondes avant l'impact. Le monde entier retient son souffle. Cette fusée est maintenant notre seul espoir de sauver la planète Terre et ses habitants. La fusée commence à fondre avant l'impact. Et soudain, une grande onde de choc se propage dans le ciel. La fusée a réussi à briser l'objet massif en 1000 morceaux. Le problème maintenant, ce sont les petits débris qui tombent sur la Terre. Mais comme la plupart des gens sont dans des bunkers, ils sont en sécurité. Adam et ses collègues jubilent. Toi et le reste des astronautes êtes sains et saufs et rentrez sur Terre en toute sécurité. La prochaine phase pour tout le monde sur Terre est de reconstruire tout ce qui a été détruit. Les gens devront tout recommencer à zéro, mais ce n'est que le début d'un nouveau chapitre de la vie.